Quand on leur demande un service, même urgent, bien des gens vous le rendent en rechignant. Mais moi j'ai l'esprit de sacrifice. Quand on me charge d'une mission afin de donner satisfaction, j'en fais toujours plus qu'il me faut. Voulez-vous, c'est mon défaut. L'autre jour, ma femme me dit: peux-tu aller, mon chéri, acheter pour le dîner quelques huîtres chiffruniers? J'y suis allé sur le champ et je lui ai dit en rentrant: comme quelques huîtres, mon Dieu, j'ai pensé que c'était bien peu. J'ai rapporté deux homards, du foie gras et un canard, quatre douzaines d'escargots et six bouteilles de Bordeaux. Puis pour mettre un peu d'entrain, j'ai invité 12 copains. Mais ma femme, entendant ça, m'a dit: tu les serviras. Quant à moi, je te laisse en plan. Je vais dîner au restaurant. Voulez-vous, c'est mon défaut. J'en fais toujours plus qu'il faut. Un ami partant pour la Chine va me prier de veiller quelques mois sur sa moitié. Il me dit: occupe-toi d'Ernestine. Je réponds: par sans moi, mon vieux, tu peux compter sur moi. J'en fais toujours plus qu'il faut. Voulez-vous, c'est mon défaut. Au bout de 3 ans, jour pour jour, quand mon ami fut de retour, je lui dis: tu vas être content, car pendant que t'étais absent, sur ta femme je veillais. Chaque matin je la réveillais, je lui faisais prendre son bain, je la frictionnais au gant de crin. Le soir je la déshabillais, je la couchais, je la bordais, et pour réchauffer son lit, ma foi je m'y mettais aussi. Histoire de lui faire passer le temps, je l'emmenais au restaurant. Vous voyez, je m'étais dévoué, mais au lieu de me remercier, je l'ai trouvée un peu forte. Il m'a foutu à la porte. Voulez-vous, c'est mon défaut. J'en fais toujours plus qu'il faut. Ma belle-mère se trouve en souffrante. Soudain, l'autre matin, allez vite chercher le médecin. Vu ma nature complaisante, je suis parti sans tarder pour faire ce qu'elle m'avait demandé. J'en fais toujours plus qu'il me faut. Voulez-vous, c'est mon défaut. Une heure après, en revenant, heureux, je dis à belle-maman: je suis allé chez le médecin, je suis passé chez le pharmacien, puis chez le notaire en disant: prépare votre testament. Puis j'ai filé comme un zèbre au bureau des pompes funèbres. J'ai réglé votre enterrement, j'ai choisi votre monument à Notre-Dame du Rosaire. Je suis allé voir le vicaire. À Pantin, je vous ai acheté une place à perpétuité. Eh bien, vous ne me croirez pas quand je lui ai dit tout ça. Au lieu de me sauter au cou, elle en est claquée du cou. Vous voulez pousser mon défaut, j'en fais toujours plus qu'il faut.